Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Assassin's Creed Odyssey. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va super. Donc j'enregistre ce deuxième épisode directement après le premier. On est lancé là, on est parti. Là, on va se concentrer, je pense, dans cet épisode aux quêtes secondaires. Hop, inventaire, j'ai quelque chose dans l'inventaire, j'ai des nouveaux arcs. Ah bah ça y est, j'ai débloqué tout ce que je pouvais débloquer. Ouais, d'accord. D'accord. Du coup, est-ce que ça m'a débloqué toute la tenue? Ouais, ça m'a débloqué toute la tenue. Voyage du Nord. C'est stylé. Hein. C'est très stylé. Mais est-ce que c'est pas cheaté un petit peu? En vrai. Oh, elle est classe. J'ai même un cheval. Cheval mycénien. Souvent employé pour le commerce de l'or, du cuivre, du verre et de l'ivoire, il tracte aussi parfois des chars au combat. Mais est-ce que c'est pas cheaté? Oh, la tenue d'Ezio. Ezio Auditore. Casque mycénien. Ah, je peux pas, c'est trop. Je pense qu'on va les garder. On va les utiliser. De toute façon, on va pouvoir les améliorer avec le temps. Celle-là, elle me plaît bien. Celle-là, elle me plaît bien. La tenue du Nord, là. Voyageur du Nord. Petit côté vie. Je pense que ça a à voir avec... avec Valhalla, j'imagine. Alors les armes, par contre, ça c'est quoi? Épée milanaise. Waouh, elle est classe. Ça, c'est petit côté pirate, par contre. Petit côté Black Flag. Arcane. Ah ouais, j'ai débloqué énormément d'armes en fin de compte. Hache danoise. Ah oui, en fait, il y a un vrai... Il y a une vraie méta viking là. Ah oui, c'est une grosse hache. Je pense que je vais partir sur épée. Je vais partir sur une épée. Elle est belle. Lame d'Epsilon. Aquiline. Épée arcane. Ok, bon. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on reste avec... Parce que ça va nous cheater un petit peu. On va pas se mentir. Mais c'est classe quand même. Tiens, d'ailleurs, dans Assassin's Creed Valhalla, on croise notre amie Cassandra dans une mission secondaire. Bah, petit fun fact. J'avais bien apprécié quand j'avais vu ça. Alors carte. Allez, je suis sur ma petite île de Kefalonia, moi. Donc là, oula, il est juste derrière moi, lui. Talos, on va pas aller l'affronter maintenant. Par contre, il va falloir aller chercher les sceaux de... les sceaux de l'ange, je sais plus, les sceaux... On se comprend. Mm-hmm. Je pense que je vais aller directement vers ça. Et je vais aller parler à lui avant. Waouh, je suis classe, je suis très très classe. C'est là-haut. On va aller chercher la mission. Rapidement. Allez. Là. Puissance sale, je t'implore. Envoie-nous un champion. Quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Cassandra. Ah, il me connaît. Tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Bien sûr. Je te récompenserai, bien sûr.
Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot ? Cassandra, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petite. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais allez, tu sais que Céphale a fondé Céphalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme ? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Accident de chasse. Il a l'air dangereux. Aïe, aïe, aïe. Mais seulement si on le lance sur quelqu'un. Oula, pourquoi as-tu besoin de ce javelot ? Tu as l'intention de devenir soldat ? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Samy. Bon, il est où ce javelot ? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Céphalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Ah bah, je suis juste à côté. D'accord. Il est où notre ami, là ? Il est en train de passer. Il est là-bas. Il fait sa petite route. On ira l'affronter plus tard. Donc là, on va aller directement dans les grottes. Chercher le javelot. Trouver et acquérir la lance. Ah, voilà. On plonge ? Allez, on plonge. C'est si simple que ça ? Là, je suis bloqué. Ah non, c'est une méduse. Autant pour moi. Alors, où je dois ? Ah, là. Une entrée, là. Alors. Ah, on replonge. Pas de soucis. Là, je vois que dalle. Je vois rien. Ah si, ça y est. Ah bah non. On va essayer de pas fail directement. Hein. Ce serait plutôt cool. Ah là, ça aurait été de... Ah bah là, il y a de la lumière. J'ai envie de croire que c'est par là. Besoin de lumière. Ah, d'accord. Ok. Bien, donne-moi ça. Du fer, ça va être utile. Je sais pas pourquoi, mais ça va être utile. Le lieu sera bien défendu. Ah. Croiser des ennemis, là. Oula ! Ok. Ok, ok. Oh, quelqu'un juste là. Je cache personne, moi, quand je... J'ai pas besoin. Faut aller là, par là. Non, je suis pas sûr. Oh, il y a quelque chose là.
Non, absolument pas en fin de compte. Alors, où est-ce que je dois aller? Montrez-moi la voie. Là? Ok, c'est par là. J'ai été repéré? Non, j'ai pas été repéré. Il a pas eu le temps. D'accord, on récupère un peu de... Un peu de fer. Oula! Ça passe. J'arrive un petit peu trop comme une brute, on va essayer d'y aller un petit peu plus calmement. Je vois pas grand chose. D'où l'importance de la lumière, vous me direz. Ah, une sortie. Donc là, il y a une sortie. Ah, faut que je retourne voir la prêtresse. Je l'ai trouvée, du coup, peut-être. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Ah. Plastron athénien. J'allais dire stylé, mais non, pas tant que ça en fin de compte. Pas tant que ça en fin de compte. On va rester en viking. Je pensais qu'elle avançait toute seule. C'est non. Bon, bah ça c'est fait. Ah, mais en fait, j'avais une entrée juste à côté. Enfin, juste derrière le temple. Fallait le savoir, ça. Cassandra, tu es revenue parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Merci. D'accord, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a dans le temple, là? Waouh. Bon. Nouvelle gravure disponible. Il est toujours là, lui, hein? Pas moyen de l'assassiner. Ça aurait été intéressant de pouvoir l'assassiner, mais... Ah, aptitude. Donc ça... Non, il me faut celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Alors, de nombreuses aptitudes sont alimentées par l'adrénaline, qui s'accumule notamment en portant des coups, en esquivant et en parant des attaques ennemies. Lorsqu'une aptitude est utilisée... D'accord, très bien. Un segment d'adrénaline est dépensé. Ça marche. On va le mettre sur le A. Boum. Ouais, ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Mercenaire. Est-ce que t'as des points faibles? Les points faibles. Donne une plastron de mercenaire. Il n'y a pas moyen de voir s'il a des avantages détaillés. Est-ce qu'on le tente? Au risque de mourir, est-ce qu'on le tente? En vrai, est-ce qu'on le tenterait pas en vrai? Je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Il est là. Je le fais. C'est une grosse erreur. Voilà. Ouais, je le maîtrise. Oh oui. Boum. Il frappe. C'est non. C'est un échec. C'est pas grave.
On a essayé. On a échoué. C'est le jeu. Mais en vrai, ça se joue. Hein. Il a pas fait tant le malin que ça. J'aurais peut-être dû la jouer un peu moins face à face. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quête, on va enchaîner les petites quêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Carte. Ah, il faut que j'aille. On va aller escalader la montagne. On va aller chercher. J'ai plus le nom du saut, mais ça va me revenir. Il n'y a pas de. Waouh! On va escalader cette énorme statue ensemble. Ça va être incroyable. Ça va nous prendre une plombe, ça. Hein. Allez. Si je peux regretter quelque chose avec les derniers. Bon, par contre, ouais, on accélère. Avec les derniers assassins, c'est le parcours. Le parcours est vraiment par rapport au premier Assassin's Creed. Sont vraiment de piètre qualité. A priori, ça devrait revenir avec le prochain assassin qui va sortir. Waouh! Incroyable! Magnifique. On va peut-être pas passer par là. Hein. On va passer par là. On va respecter. C'est quoi, c'est Zeus? Je pense que c'est Zeus. Hop. C'est un énorme skeg en pierre. On va pas se mentir. Ah, je lui mets un doigt dans l'œil. Hop. Ah, ça va, ça continue. Regardez-moi cette vue. Allez, monte. Oh, incroyable. Oh, j'ai hâte d'avoir le bateau. Et passer des épisodes entiers à chasser nos ennemis. Waouh. Et là, c'est vraiment un dixième de la map. Hein. On est sur l'île de une toute petite île. Allez, le saut de la foi, ça y est, je l'ai. Waouh. Rien à récupérer là? Non. Est-ce qu'il y a moyen de sauter encore ou pas? Je vais pas prendre le risque. Hein. J'ai pas envie de prendre le risque. Par contre, on va continuer les petites missions annexes. Ah bah voilà. C'est mon risque. On va continuer les petites missions annexes. Carte, donc d'ici. J'en ai une là. Fouille B. La fièvre sanguine. Ah, ça me parle ça. Ça me parle. On va aller voir. Je crois que c'est une épidémie qui a dû avoir et il faut faire le bon choix. Oh, oula, oula. Faire le bon choix pour éviter que l'épidémie se répand. Si je me trompe pas. Hein. Par contre, je l'ai pas sélectionné. Si, je l'ai sélectionné en plus. Je suis pas du tout parti du bon côté, moi, en fin de compte. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Pire des cas, s'il y a des chemins à pied trop longs, je ferai des coupures. L'ostracon. C'est quoi l'ostracon? Ah, il doit avoir des trucs à récupérer. Oh le chien. Où est-ce que je dois aller là? Là. Ça doit être là. Non, c'est même pas là. Ce n'est même pas là. Ah, c'est là-bas. Ah non, c'est pas du tout la mission que je pensais en fin de compte.
Ah là-bas il y a un coffre, on va aller chercher le coffre. Ça doit être ça l'ostrocon. L'ostrocon. Voilà. Faut voler. Je vais me faire repérer là. On vole ? On va voler. Ok, ça passe. C'était pas dit tout ça, mais c'est pas grave. Alors, qu'avons-nous là ? Lève-toi. Comment bah oui, c'est avec Marcos ? C'est fouillé. Oh, comme toujours, je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui ? J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli une enfant qu'ils auraient surprise à voler. J'étais toute jeune. Hein ? Je suis toute jeune, moi aussi, et je me débrouille toute seule. Que veux-tu, Phoebe ? Tu connais Kaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Ah si, c'est ça. Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Icaros ! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire ! Oh, petite insolente. D'accord. Je vais aller voir ça. Ben, on va s'en occuper tout de suite. Suivre la quête, la fièvre sanguine. C'est loin ? Non, c'est pas trop loin. Je reviendrai te voir plus tard. Ah, c'est ça. Ah oui. Mais là, je crois qu'il faut pas tellement écouter son cœur, je pense. Si je me souviens bien. Par les dieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Des meurtriers ! C'est horrible. Je me souviens. Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici. Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Kaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins ! Nous avons survécu au massacre ! Mais il veut nous tuer ! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu as incendié le village entier ? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Kaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède ? Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, et pitié ! On est à peine malades ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Mais non. Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants ! Pense à eux ! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Calme-toi. Alors là, les amis, si je me souviens bien, si je sauve les malades, ils vont s'enfuir dans une autre ville. Je ne sais plus où. Mais qu'on croisera plus tard dans le jeu. Et s'ils vont là-bas, eh ben, l'épidémie va continuer là-bas. Donc c'est triste. Vous voyez, les amis, c'est triste. Mais je ne me mêle pas de ça. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir. Mais combien d'autres mourront si je vous libère ? Exactement. Tu auras notre sang sur les mains. Tu agis au nom des dieux. Tu as leur bénédiction. À la bonne heure. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible. Aïe, 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 elle va pas être contente. Tu ne les as pas sauvés ? Mais Ekina !
Eh oui, mais... C'est mon ami. Je sais que tu es triste pour Kina. Je te comprends. Mais regarde autour de toi. Tu veux que toute l'île finisse comme ça? Non. Mais peut-être que Kina va guérir, peut-être qu'il se trompe pour elle. Et peut-être que ce mal va s'étendre demain à toute sa famille. On ne peut pas savoir. Tu as peut-être raison. Il arrive que des innocents meurent, Phoebe. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas. Oula. Boum. Je me fais attaquer par un loup, moi. Ah là là, c'est triste. Hein. C'est très très triste. Hein. Mais c'est comme ça. Ah bah, il n'y a pas les enfants. Peut-être qu'ils ont sauvé les enfants, allez savoir. Est-ce qu'on a des choses à récupérer dans le coin? Je suis sûr qu'on a des choses à récupérer dans le coin, moi. Là. Ptérige athénienne. Ok. Alors vous, vous êtes plus athénien? Ou Sparte? Ou Spartiate, pardon. Je crois que c'est un peu les deux... Les deux factions en guerre dans ce jeu. Bon bah ça c'est fait. Mais je crois avoir fait le bon choix. Alors. On va enchaîner avec une deuxième mission. Donc là on est sur le vignoble. Donc ça c'est la quête, c'est la quête principale. Et on va attendre. Je suis quel niveau? Moi je suis niveau 3. Dieu insatiable, assassin. Ça, je me souviens. Je me souviens bien du début du jeu parce que je l'avais refait il y a quelques mois. Du coup, la première partie du jeu, je m'en souviens. Ah oui, celle-là, je m'en souviens. Ah. Ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Oh. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord. Rassure-toi. Je vais aller voir ça. Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Dac, on va aller voir ça. Hop. Examiner les grottes de Drogarati. Hop, un peu de lumière. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un. Non, range ton épée, tout va bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. On va pas voler le temple, hein. C'est un peu moyen. Faut partir, madame. Je suis en plein... Oh, pardon, autant pour moi. Il y a un courant d'air.
Une fissure dans la paroi? Tiens, tiens. Qui se cache? Je vais devoir faire très attention par ici. Ouais, des... Ah ouais. Qui va là? Il y a du monde? Je vois personne. Non, je vois personne. Et a priori... Oh là! Bon bah... Tu ne gagneras pas! Comment peux-tu... Boum! Aïe! Ah ouais. Non, ce que je vais aimer tout de suite. Boum. Bon. Niveau discrétion, j'ai connu mieux. Oh, il est pas mort lui. Il est pas mort. Pourquoi je peux le ramasser? Mais non. Ah, c'est parce qu'il est KO, c'est vrai, je me souviens. Parce que pour pouvoir recruter sur le bateau plus tard, il faut les assommer. Oui, c'est une drôle de technique, mais ça marchait comme ça apparemment à l'époque. Hop, je fouille. Je fouille à max. Non, en fait, faut que je tue. Faut que je tue. Ah oui, d'accord. Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Je l'ai achevé en brûlant voilà quand même. Suite, hein. Hop, donne-moi ça, tiens. Bon, pour l'instant, c'est cool. Hop. Est-ce qu'on peut ressortir de l'autre côté ou non? J'ai tellement envie de m'aventurer là-bas, je vais faire demi-tour. Je n'ai que ma dévotion à t'offrir, mais j'ai besoin d'aide. Je suis pauvre, tout ce que j'ai, c'est 4 enfants affamés. Ah. Je tresse des paniers que je vends au marché, mais mon chariot est cassé. Comment vais-je le réparer et vendre mes paniers sans lui, sans toi? C'est bizarre. Je t'écoute. Enfant d'Hermès. Oh, grand Dieu, je t'en supplie, aide-moi. Ta prière a été entendue. Tu trouveras des richesses à ta porte plus tôt que tu l'imagines. Je savais que tu m'écouterais. Je te consacrerai chaque lever et coucher du soleil. Tout ce qui se trouve sous mon humble toit à Samy t'est dédié. Bien. Rentre chez toi, et attends ta bonne fortune. Oui, grand Dieu, oui, j'y cours. Oh, je vais la régaler. C'est l'argent qu'elle a besoin, autant faire bon usage du butin de ces brigands. Je vais la régaler, celle-là. Bon, déjà, on va aller chercher l'autre. Et après, je la régale. Hop, je peux prendre un peu de pierre, enfin de fer. On va pas se gêner, hein. Allez, l'ami. Tu t'es fait arnaquer. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Au moins, tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire. Ok, mission terminée. Maintenant, je vais aller régaler l'habitante. Tant qu'on y est. Dieu miséricordieux.
Pourquoi demande-t-elle l'aide à Hermès ? Examiner le logis de la femme. Et bon, allez voir ça. Il est où ? Oh, il est... Lui, il est dans le coin. Ah, il a une faiblesse à l'arc. Ça, c'est intéressant. Ça, on va aller faire ça directement. Ah, parce que j'ai débloqué quelque chose ou d'un peu meilleur, peut-être ? Non ? Non. Bon, non. C'est non. Ah, si, celui-là. Non, il est au même niveau. Ouais, on va laisser comme ça. Ok. On y retourne. Faire attention à lui. Ça devrait le faire. Bon alors, qu'est-ce qui va pas chez elle ? Ah oui. Comme elle l'avait dit, ce chariot est dans un triste état. Ses paniers étaient destinés au marché jusqu'à ce que le chariot casse. Voilà qui l'aidera, plutôt elle que les bandits. Et voilà. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. J'ai gagné un niveau déjà. Ça fait plaisir. Ce que j'améliore, je peux pas l'améliorer encore. Faut que je progresse dans l'histoire. Peut-être faire une... Alors, si l'ennemi vous aperçoit, le temps se ralentit jusqu'à 5 secondes. 3 flèches. Zoom pour expédier une flèche infligeant 430% de dégâts de chasseur et portant 25% en plus. Ouais, on va prendre ça. Ça me plaît. Et j'ai envie de le retenter. Notre ami là. Le mercenaire, j'ai envie de le retenter. Alors. Augmentation des dégâts dus aux attaques à distance. Augmentation des dégâts dus aux assassinats. Oh ouais, je vais le tenter. Il est où ? Il est là-bas. J'ai pas envie de tomber nez à nez avec lui non plus. Là, il est là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Ouais, je sais. Boum. Il a cherché la prime sur sa tête. C'est à moi maintenant. Descends et bats-toi. Toi, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas où je suis là. Je savais que je te rattraperais. J'ai fait n'importe quoi. On va la faire... On va la faire petit bras. Ah, je l'ai raté. Boum. 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 Tu ne peux pas travailler toute seule. Ah non. Bravo.
Boum, le headshot. Bah alors, Talos, fais-moi le malin. Invitation à la reine guerrier. La reine de Peshka est le plus disputé du monde grec. Dernier héros de la reine en vie. Je cherche les meilleurs combattants souhaitant s'affronter pour l'honneur, le plaisir et l'argent. Ta réputation te précède. Peu de combattants ont tué de manière aussi prolifique ou poétique que toi. Si l'offre t'intéresse, viens me voir à la pointe des pirates ou rencontrer Maillon, mon associé au repos. Bon. Bolo ? Fais-moi le malin. Voilà, on te retrouvera jamais. Hop, on récupère les flèches. Voilà, ça c'est fait, le petit mercenaire là. Et il me tourne le dos. Bon. Et 2-1. C'est le début d'une longue liste. Attitude. Ah, je dois bloquer quelque chose. Plastron de mercenaire. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que j'ai d'autres petites missions secondaires là? Petite mission secondaire là? Oula, niveau 25. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Regard caverneux. Non, je crois que j'ai fini les petites quêtes secondaires. On va regarder sur la carte, ça sera plus simple. Là, non, dépôt de bois. Ah si, j'en ai une là. Secouer le squal. J'ai pas été là. J'ai pas été en bas. Peut-être falloir que j'aille récupérer le seau de la foi. Mais avant, on va aller finir ça avant. Hop. On va aller d'abord finir ça. Allez, on y va. Allez, je te laisse faire le chemin. Évidemment, je couperai et on se retrouvera sur place. Hop. C'est qui ? Mestios, des légumes frais pour ton voyage. Les plus appétissants de Kefalonia. Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes. Personne n'en veut. Et nos marchandises se gâtent. Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Kefalonia. Histoire d'aller voir ailleurs. Je vous comprends. Attends voir. Creosa, tu penses qu'elle pourrait nous aider? C'est possible. Il va d'abord falloir me dire de quoi il s'agit. Bah oui. Est-ce que tu as peur des requins, Mystios? Il n'y a rien qui me fasse peur. Peur de rien. Je t'envie. Parce que nous, un requin nous empêche de quitter Kefalonia. Un requin? Cette bête garde un collier de valeur. En le vendant, nous pourrions partir de Kefalonia. Le vieux bandit qu'il avait trouvé, il l'a enterré au bord de l'eau, près d'un temple. Mais entre-temps, le niveau de l'eau est monté. Et maintenant, c'est comme si le collier appartenait au requin. Vendre des légumes, c'est bien, mais un collier, c'est mieux. J'avoue. Je sais combien on peut vouloir quitter Kefalonia. Eh oui, nous n'avons rien ici. Des légumes jusqu'à plus soif, mais aucun espoir. Il est enfermé dans un coffre. Si tu le rapportes, nous prendrons ce qu'il nous faut pour partir, et nous te laisserons le reste. Très bien, je vais tuer votre Ça marche. Frère. Oui, embroche-le. Tu le trouveras au fond des ruines de Cranoï, au sud. Un trésor enfoui a généralement une histoire. Et une belle. On dit que ce collier appartenait à Procris. Tu sais, la femme de Céphale. La veille de leur mariage, il le lui aurait offert en gage de fidélité. Ouais, quand même. Et on sait comment ça s'est terminé. Eh oui. Au moins, il est retourné auprès de Procris avant sa mort. À quel endroit de l'île se trouvent ces ruines?
Tu connais l'îlot englouti de Zeus. Si tu y vas, tu trouveras les ruines. D'accord, bah je vais aller voir ça, en c'est route parti. Pour le temple du requin. Je ne veux plus jamais entendre parler de légumes après ça. Alors on va aller faire du surimi là. Secouer le squale. Donc, le temple est sous l'eau. Alors allez, on va aller voir ça d'abord ici. Hop. Alors, le temple est sous l'eau au large de Kefalonia. Très bien, jusque là tout va bien. Il est au sud des ruines anciennes de Cranioi. Cranioi. Le temple est à côté de l'îlot de Zeus. Il est où l'îlot de Zeus? Ok, il va falloir faire un petit peu de balade. Il va falloir qu'on aille découvrir un petit peu de lieux non découverts. Et puis, déjà, direction le saut de la foi. On va passer par là. En avant. Allez. Évidemment, on se retrouve s'il se passe quelque chose. Forcément quelque chose ici. Oula. Ok. Ok. On a rien là. Non, je suis monté là que pour tuer des loups. Bon. Bon. Très bien, hein. C'est pas grave. Tu peux dessus, mais... Allez, on y arrive. Allez. Hop. Voilà, je vous ai sauvé les amis. Tout est mort par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais cru voir quelqu'un, mais non. Qu'est-ce que je fais ici moi du coup? Ah mais tout le monde est mort en fait. Tout le monde est mort. Tant pis. Je suis arrivé trop tard. Ah, je vois des ruines là. J'ai vu des ruines. Je pense que c'est là. On va aller voir ça. Là-bas, il y a des ruines. Hop. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Oula, je suis bloqué. J'ai perdu presque la moitié de ma vie. C'est pas grave. C'est un loup ça. Donne-moi de la peau. Ouais. Je suis sûr que c'est ici. Ça se trouve, Ah non, c'est ça. Eh ben on y va. Ah oui, il y a un requin. Alors on va faire gaffe au requin.
Je sais pas si je passe du bon côté, mais... Allez, l'objectif... Arriver sur les petits pylônes, là. Ouais, l'île de Zeus, donc c'est bien ça. Dans le coin, il y a un requin. A priori, il y a un requin. Piller les trésors. Je vais faire ça. Ouais, il y a un requin, donc... Je crois qu'il n'y en a pas qu'un, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Là-bas. Il y a moyen ou pas? Boum. Ah. Il n'y en a qu'un. T'es pas loin. Là. C'est un échec. Voilà, alors enfin. Là, il est là le coffre. Ah mais il y en a d'autres. Aïe. Remonte. C'est bon du coup? Ouais, c'est bon. Oula. Je peux pas monter? Monte. Voilà. Parfait. Hop, ça je prends. Ça je prends aussi. Ah non. Allez, fonce. Oula. Ça m'arrange pas ça. Monte. Monte. Ah, ça c'est chiant par contre. Hop. Peut-être pas dû remonter en fin de compte. On va ramener on va ramener tout ça à nos amis les commerçants. Et après on se laissera là pour ce deuxième épisode. Ok, c'est bien. Oula. Tu nages beaucoup trop au bord de l'eau là. C'est pas possible. Enfin, au bord de la plage. Hop, on va se téléporter. Donc, faut que j'aille assez loin. Donc, on va se téléporter ici. Déplacement rapide. Hop. Petit saut de la foi. Allez, on y est presque. Ah, je crois que ça se récupère, ça, non? Oui, ça se récupère. Un petit peu de bois, là. Pour faire des flèches. Eh, si je voulais, je pouvais garder le... Le collier. Tu l'as trouvé? C'est voilà. Le collier? Eh oui. Ce requin ne s'est pas laissé faire. Il avait l'air d'y tenir. On peut enfin partir. Fini les légumes. On va avoir une nouvelle vie. Loin de ce passé misérable. Je suis passé par là. Bonne chance. Ok. Ok, bah j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi, je suis toujours aussi content d'être dans ce jeu. On se retrouve très très bientôt pour la suite.